viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur, sois allié pour le bien.
ouvre mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Avant-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est bon, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres. Plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui monte. Psaume 3. Je suis la lumière du monde. Si vous croyez en moi, vous serez fils de la lumière. Je suis qu'ils sont nombreux mes oppresseurs, nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme, point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Je me couche et m'endors. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens par milliers, poussés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Tu brises les dents des impies. Psaume 46. Tous les peuples battaient des mains, acclamaient Dieu en éclats de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il met les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage. Monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu y règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes
des peuples s'unisse au peuple du Dieu d'Abraham. À Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis Cantique d'Isaïe 49, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois en te voyant se lèveront, se prosterneront devant toi. Je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sauvés. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront les pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Tressaillez d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Si on disait Dieu l'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? Cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Maurice Zindel, l'Évangile intérieur. La prière fait de notre vie un don et nous établit dans une relation filiale avec notre Créateur. Elle n'a donc point pour fin de renseigner Dieu sur nos besoins, qu'il connaît infiniment mieux que nous. Elle ne se propose pas non plus de l'amener à consentir à leur satisfaction, car sa bonté infinie ne cesse de vouloir notre bien, mais de faire coïncider bien plus tôt notre volonté avec la sienne, pour que son amour est dans le nôtre, une réponse de plus en plus parfaite. La prière a donc un caractère essentiellement spirituel et désintéressé. Nous pouvons sans doute implorer les biens matériels qui nous sont nécessaires, mais en tant que moyen d'une vie tout ordonnée à l'esprit. Ce que nous demandons, au fond,
c'est toujours Dieu lui-même. À ce titre, toute prière est exaucée dès qu'elle est vraiment ce qu'elle doit être, l'ouverture de notre cœur à l'appel du premier amour. Dieu ne veut pas forcer la porte de notre âme. Son règne en nous ne peut s'établir sans nous. En prenant simplement conscience de ce que nous faisons, nous pourrions à chaque seconde renouveler notre contact avec le Dieu vivant qui demeure intimement présent à toute créature et qui révèle en chacune, au regard attentif, quelques traits encore inaperçus du visage éternellement nouveau. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du septième mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnant le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur,
Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple : Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. N'éprenez pas le deuil, ne pleurez pas. Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore : Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant : Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de prêt et se livrer à des grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Chers frères et sœurs, il est quand même bizarre ce passage du livre du prophète Néhémie que nous venons d'entendre. Résumons les faits brièvement. Le peuple d'Israël se réunit pour entendre la lecture de la loi. Esdras lit le livre de la loi de Moïse et les Lévites interprètent chaque passage pour les faire comprendre au peuple. Et le peuple comprend. On peut le lire clairement dans le texte. Il donnait le sens et l'on pouvait comprendre. Mais les Lévites et Esdras se retrouvent devant une réaction inattendue. Le peuple, tout en comprenant le texte, pleure et est en deuil. Esdras et les Lévites expliquent donc encore qu'il s'agit d'un jour de fête et que ce n'est vraiment pas le moment de s'affliger, mais que ce serait bien de fêter et de se réjouir. Et le peuple commence à se réjouir et à fêter. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple change d'attitude ? En effet, je crois qu'on est devant un cas de mauvaise exégèse. Une exégèse qui a expliqué le texte, mais sans conduire l'assemblée, à un vrai chemin de croissance spirituelle. Le peuple comprend la première explication du texte par les Lévites, mais il s'arrête à un niveau de compréhension purement morale et moralisante de la loi. Et probablement, la perception du décalage entre la loi du Seigneur et la vie réelle est cause de honte et de désarroi pour le peuple entier qui s'afflige et pleure. La compréhension de la loi est réelle, mais le chemin spirituel n'est pas achevé et le peuple est bloqué dans une compréhension extérieure. Mais au moment où Esdras dit au peuple « La joie du Seigneur est votre rempart », le peuple peut finalement rentrer complètement dans la compréhension de la loi. Leur joie ne doit pas se fonder sur la seule observance de la loi, mais sur la joie du Seigneur. On pourrait lire les paroles d'Esdras de cette façon. Le Seigneur est dans la joie. Soyez donc vous aussi dans la joie. C'est le fait que le Seigneur est dans la joie la cause de votre joie, et non vos efforts pour plaire au Seigneur. Cette vision n'abolit pas la nécessité de l'obéissance à la loi, mais la complète par la compréhension de la miséricorde du Seigneur. Même si le peuple n'est pas en mesure d'observer complètement la loi, si le Seigneur est dans la joie, parce que dans sa miséricorde, il pardonne la faute du peuple, le peuple doit s'en réjouir et profiter pleinement de la bonté du Seigneur. Je crois que c'est exactement ce qu'a compris sainte Faustine Kowalska, que nous fêtons aujourd'hui, et qui a donné vie à la dévotion à la miséricorde divine. Dieu nous aime au-delà de nos mérites. Il faut s'en réjouir de tout notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Enseigne-nous à ne pas fonder notre joie sur nos efforts. Enseigne-nous à avoir confiance dans la bonté du Seigneur. Enseigne-nous à rentrer pleinement dans la joie de l'infinie miséricorde de Dieu. Thank you.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes en recherche d'emploi, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les éducateurs et les enseignants, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les jeunes tentés de perdre confiance en l'avenir, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu Tu es la joie de ton peuple, au commandement de ton Fils bien-aimé, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Et béni. Voix
demande du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein. Jesus.